بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين وصلى الله وسلم على سيدنا محمد طه الامين وعلى اله وصحبه الطيبين الطاهرين اللهم لا سهل الا ما جعلته سهلا وانت يا حي يا قيوم تجعل الحزن اذا شئت سهلا اللهم علمنا ما جهلنا وذكرنا ما نسينا La louange est à Allah, le Seigneur des mondes, et que l'honneur et l'élévation en degrés soient accordés au prophète Muhammad. Alayhi wa sallam, nous demandons à Allah qu'il nous fasse apprendre ce que nous ignorons, qu'il nous fasse nous rappeler ce que nous avons oublié et qu'il nous augmente en connaissance. Et nous lui demandons de nous préserver de l'état des gens de l'enfer. Et nous demandons à Allah qu'il fasse que notre intention soit sincère dans l'apprentissage de la science de la religion. Et dans son application. Amin. Quand on parlait des devoirs du cœur et des péchés du cœur, il y en a un parmi vous qui m'a dit, ça m'a fait penser à la phrase nafaka hanvala. C'est-à-dire que ce frère s'est remis en question et il s'est senti dans l'état dans, dans lequel peut-être se sentait Hanvala quand il a dit nafaka hanvala. Alors, un autre frère a dit C'est quoi Nafaqa Hanbala Et j'ai répondu On en parlera ce soir, inshallah dans la séance du soir. Donc, on va en parler maintenant. Hanbala, c'est un compagnon du prophète, sallallahu alayhi wa sallam. Et c'est lui qui a dit Nafaqa Hanbala, c'est-à-dire Ah, est, oh, est hypocrite. En réalité, non, il n'est pas hypocrite. Mais il s'est auto-accusé d'être hypocrite en se remettant en question. Et en observant le comportement qu'il avait d'un côté quand il était avec le prophète, alayhi wasallam, et son attitude et son état de foi intense, de foi forte, qu'il avait quand il était avec le prophète, et son attitude et son état qu'il avait quand il n'était pas avec le prophète. Il ressentait que ce n'était pas la même chose. Alors il s'est senti hypocrite. En réalité, ce n'est pas de l'hypocrisie. Il n'est pas hypocrite, comme on va le voir quand on va citer le hadith. Mais avant de parler du hadith, on voit bien dans quel état d'esprit était le compagnon, khanzala, et à quel point c'est aux antipodes de celui qui tombe dans l'infatuation, et qui, dans, quand il fait des bonnes actions, il dit Oui, moi je, moi je, où il se sent dans son cœur comme étant fort et, et comme ayant fait plein de bonnes œuvres, en oubliant que c'est Allah qui lui a accordé ce bienfait. Vous vous rappelez de ce péché Parmi les péchés du cœur, on en a parlé, al que la personne, elle est de l'estime d'elle-même. Cette estime-là qu'elle a d'elle-même à se considérer parce que elle a fait des bonnes actions en oubliant que c'est par la grâce d'Allah qu'elle a fait ces bonnes actions, ça c'est grave et c'est comme une maladie du cœur. Alors que Hamza, qui était un grand compagnon du prophète alayhi wa sallam, il s'auto accuse d'hypocrisie. Parce qu'il sent qu'il pourrait faire mieux, il a l'impression qu'il pourrait faire mieux que ce qu'il fait en réalité. C'est quoi ce hadith qui nous parle de Hanwala. Donc Hanbala, al usaydi il fait partie de ceux qui écrivaient la révélation qui descendait sur le prophète sallallahu alayhi wa sallam. Quand le Coran était révélé sur le prophète, le prophète récitait, et là il y a un compagnon qui allait écrire les scribes du prophète sallallahu alayhi wa sallam, c'était quelques compagnons qui écrivaient le Coran au moment où le prophète enseignait ce qui venait de lui être révélé. Hanwala fait partie de ces compagnons qui écrivaient la révélation qui descendait sur le prophète alayhi wa Et donc Hanbalah, un jour il a dit, « Qiyani Abu Bakr, anta ya Il a dit, un jour Abu Bakr m'a rencontré et il m'a dit, Comment vas-tu, et C'était de l'habitude des compagnons de se questionner les uns les autres sur leur état. Et c'est comme ça que se doit d'être le musulman. Pas d'égoïsme au point de ne pas prêter attention et de ne pas t'inquiéter et de ne pas de te soucier de ton frère en islam. Non! Tu lui demandes comment il va et si jamais il, lui a, il a des épreuves, n'hésite pas à lui venir en aide. Donc, quand. Abu Bakr a dit à Hanbala, comment vas-tu Hanbala a répondu, na Ça veut dire, Hanbala est un hypocrite. Il parle de lui-même. Il s'est senti hypocrite. C'est une phrase qui est forte de sens. Alors Abu Bakr, il a répondu, Subhanallah. Subhanallah, ça veut dire, Allah est exempt d'imperfection. Mais c'est une phrase que l'on utilise pour exprimer l'étonnement, la surprise. Quand tu roules en voiture et que tu quittes Paris et que tu commences à rentrer dans les champs, et là tu vois les paysages, les champs verts, les champs jaunes, les arbres, les animaux, tu regardes et tu dis Subhanallah Tu exprimes ce ressenti que tu as de voir la création belle d'Allah Subhanahu wa Ta'ala. En citant cette phrase, qui veut dire qu'Allah est exempt d'imperfection et en exprimant ta surprise et ton émerveillement de ce que tu vois. Donc la phrase « Subhanallah », elle s'utilise dans différents contextes. Là, en l'occurrence, Abu Bakr, il entend son compagnon Hanbala qui dit « Hanbala, oh, c'est un hypocrite. » Alors tout de suite, il lui dit « Subhanallah ». Donc il exprime son étonnement. « Subhanallah, qu'est-ce que tu racontes Qu'est-ce que tu es en train de dire? Alors Hamdala lui a dit: "Nous serons auprès du Messager de Allah sallalahu On est avec le prophète (sallallahu alayhi wa sallam de temps en temps. On est avec le messager d'Allah (sallallahu alayhi wa sallam. Il nous rappelle le feu et le et le prophète, il nous exhorte, il nous parle de l'enfer et il nous parle du paradis, hatta ka'anna ra'ay Au point que c'est comme si on voyait le paradis de nos propres yeux. C'est comme si on voyait l'enfer de nos propres yeux. Tellement on y croit, ça ne veut pas dire qu'on n'y croit pas, qu'on n'est pas avec le prophète, mais tellement notre foi, elle est intense, tellement l'exhortation du messager d'Allah a eu un impact sur nous, que c'est comme si on, on témoignait nous-mêmes voir le paradis et voir l'enfer. Après, il a dit, Fa'idha kharajna. Il a dit, mais quand on se sépare du prophète sallallahu alayhi wasallam, Quand on n'est plus avec le prophète sallallahu alayhi wasallam, et qu'on rentre à la maison et on se met à être préoccupé, à être distrait ou occupé avec la femme, les enfants avec le travail pour aller chercher ton pain, ta subsistance. Donc on n'a plus la même concentration, le même khoshour, le même état d'esprit que l'on a quand on est en face du prophète alayhi wa à écouter ses exhortations et ses cours de religion. À l'écouter nous enseigner l'islam, c'est pas pareil. Tu vas discuter avec ta femme, tu vas t'amuser avec tes enfants, tu n'es plus le même que quand tu es à la mosquée pendant le mois de Ramadan, à titre d'exemple, dans le dernier tiers de la nuit, à faire des adorations, à espérer, à invoquer Allah, à espérer sa miséricorde. Tu n'es pas dans le même état d'esprit. Donc il lui a dit Quand on est avec la femme, les enfants et le travail, on oublie beaucoup. On n'est plus pareil. Abu Bakr lui a dit C'est pareil pour nous. Il a dit, wallah, ce que tu ressens, moi aussi je le ressens. Nous aussi, il nous arrive exactement la même chose. Il a dit, ana wa Abu hatta ala Alors je suis parti, moi et Abu Bakr, et on est allé voir le prophète, wasallam. Et ça, c'était magnifique. Ça n'existe plus à notre époque. À cette époque-là, tu as une question, tu vas voir le prophète. Sallallahu alayhi wa il te répond. Tu es dans une situation où tu n'as pas la réponse, tu vas voir le plus grand des guides, le meilleur des hommes, le plus grand guide spirituel, le plus grand chef, le plus bon des hommes. Et tu es sûr d'avoir comme réponse une sagesse éminente. Et quand il est parti voir le prophète, alayhi wa et il était avec Abu Bakr donc, il a dit au messager d'Allah, sallallahu alayhi wa ya Rasulallah ». Il lui a dit, oh messager d'Allah, Hamzallah est un hypocrite. Il vise par là qu'il se sent hypocrite parce qu'il se dit, mais attends, pourquoi quand je ne suis pas avec le prophète, je ne suis pas le même que quand je suis avec le prophète Ça veut dire que je suis un hypocrite en vrai Ça veut dire que je ne fais pas les choses de la manière la, la, plus, la plus sincère et la plus euh, véridique possible Et le prophète sallallahu alayhi wa sallam lui a répondu, wa mazak de quoi s'agit-il Et là, il lui répète la même chose. Il dit Il lui dit Ô oh, messager d'Allah, quand on est avec toi, tu nous parles du paradis et de l'enfer. C'est comme si on voyait le paradis et l'enfer, tellement notre foi et notre concentration, notre khushu'a, notre crainte sont puissants. Et quand on quitte ton assemblée affassent les azwaja wal aulada wal dhiya'at on se distrait avec l'épouse les enfants le travail nassina katiran on se met à oublier beaucoup fa qala rasulullah sallalahu alayhi wa sallam et là le messager d'allah sallalahu alayhi wa sallam a répondu wal ladhi nafsi bi yadihi je jure par celui qui détient mon âme par sa toute puissance la taadumun ala hal ça veut dire, si vous restiez dans le même état que quand vous êtes avec moi, si dans votre vie de tous les jours, quand vous n'êtes pas avec moi, vous étiez dans le même état que quand vous êtes avec moi, alors les anges viendrait jusqu'à vous pour vous serrer la main dans vos assemblées sur la route dans votre lit ça veut dire vous côtoierez les anges les anges viendraient vous voir et vous serreraient la main tellement vous auriez un haut degré si vous étiez comme ça et après il lui a dit ya il a répété trois fois un temps pour ça et un temps pour ça un temps pour ça et un temps pour ça un temps pour ça et un temps pour ça ça veut dire tu consacres des moments de ta journée dans l'adoration d'Allah subhanahu wa ta'ala dans les actes d'adoration et tu consacres des moments dans ta journée à t'occuper de ton épouse, de tes enfants, rechercher ta subsistance, faire les choses que tu as besoin dans ce bas monde le prophète alayhi wa sallam, est en train de lui expliquer que c'est normal n'est pas de l'hypocrisie, tu n'es pas hypocrite, tu ne peux pas du matin jusqu'au soir ne passer tout ton temps à faire des prières en délaissant ta femme et tes enfants. Tes enfants ont un droit sur toi, ton épouse a un droit sur toi, et de toute manière, tu as dans beaucoup de situations ou pour, pour beaucoup de gens, tu as besoin d'aller travailler, d'aller gagner ton pain. D'ailleurs, la meilleure façon d'obtenir sa subsistance comme le prophète Sallallahu wa sallam a dit, c'est en allant la chercher de, son, de ses propres mains, c'est-à-dire de son propre travail. Le prophète alayhi wasallam, a dit dans un hadith que celui qui va chercher du bois et qui il en fait une, un tas qu'il accroche avec un, une corde, hein? un fagot. Un fagot, Mashallah. Nous avons euh, le dictionnaire ambulant du groupe. <laughs> allah un fagot. C'est un amas de tas que tu mets dans un fil pour, pour porter. Ça, c'est un fagot. allah Donc, tu, tu en fais un fagot, tu récupères des bois, du bois, tu en fais un fagot, tu le ramènes à la ville et tu le vends et de cela tu obtiens ton argent et ta subsistance. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit c'est mieux que de ne pas faire cela et d'aller demander aux gens de l'argent parce que tu es pauvre. Non, ça veut dire la meilleure façon de gagner ta subsistance, c'est en allant la chercher de ton propre travail, de tes propres mains. Donc tu as besoin d'un temps pour ça. Et forcément, tu n'auras pas la même concentration, la même concentration, le même rouchoir, quand tu es occupé et distrait par ces choses de la dounia que quand tu es à la mosquée ou en train d'apprendre un cours de religion, en train d'écouter une exhortation. Mais il y a un temps pour ça et il y a un temps pour ça voilà c'était la réponse à la question qui avait été posée par la est ce qu'il y a une autre question il nous reste 20 minutes avant le Aïcha on a tous remarqué ici que depuis qu'on est là le temps il passe lentement par rapport à d'habitude on fait plein de choses et moi je veux savoir est ce que si c'est parce que la baraka le prophète alayhi wasallam, a dit, li Allah accorde de la baraka, des bénédictions pour sa communauté dans la matinée, dans le fait de se lever tôt le matin. Il y a un proverbe très connu en France dans lequel ils disent, le monde appartient à ceux qui se lèvent tôt. La baraka, elle est très visible. Elle est presque palpable quand tu te lèves très tôt le matin. Et nous, si on arrive à faire plein de choses dans la journée, c'est parce qu'on commence notre journée au sopra. On fait le sophr. Après, on récite les paroles de Tarsine, de protection. Après, on fait un cours de religion. Après, il y a une séance de sport. On a fait tout ça. Et à la fin, il est quoi 8 h du matin. C'est normal qu'à la fin de la journée, tu te dis Waouh, on a fait tout ça. Parce qu'on a commencé le matin. Et cette sensation-là, elle est complètement gâchée si tu commences à faire tes affaires à partir de 10h ou 11h du matin. Et là, tu ressentiras comme une lourdeur même dans ta journée. À la fin, tu fais deux, trois choses, tu as l'impression que la journée, elle est finie, tu n'as rien fait. Donc, bien sûr, inshallah qu'il y ait un bien dans le fait qu'on passe nos journées dans la bonne entente et dans le bien entre frères, à faire les prières en assemblée, à réciter ensemble les paroles de Zikr à assister aux assemblées de religion, des cours de religion. Donc tout ça, Inch'Allah, ça apporte de la baraka dans nos journées. Mais également, même indépendamment de cela, quand tu es chez toi, si tu te lèves au sombre et que tu commences ta journée au sombre et tu ne retournes pas te coucher, tu verras que dans ta journée, tu as fait plein de choses aussi. Est-ce qu'il y a une autre question Oui Pourquoi est-ce qu'il y a plusieurs euh, écoles le prophète sallallahu alayhi wa sallam, donc la question c'est pourquoi il y a plusieurs écoles qui pensent différents avis. Qui pensent différents avis. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam, il est venu avec le Qur'an et la Sunnah. Il a enseigné les règles de l'islam. Allah ta'ala a fait que la religion, elle nous soit parvenue de façon complète. Et d'ailleurs, dans les dernières semaines de la vie du prophète sallallahu alayhi wa sallam, quand le prophète était au Hajj, le jour de Arafah, c'était un vendredi, il lui a été un, révélé un verset très connu dans lequel Allah ta'ala a dit C'est-à-dire, aujourd'hui je vous ai parachevé votre religion, je vous ai parachevé votre religion, et je vous ai donné mon bienfait, je vous ai complété mon bienfait, et j'ai accepté. Et agréer pour vous l'islam comme religion. Ça ne veut pas dire que après ce verset-là, il n'y a pas eu de nouvelles règles en islam, de nouvelles interdictions. D'ailleurs, les versets qui concernent le gain usuraire ont été révélés après ce verset-là. Ça ne veut pas dire qu'à partir de ce verset-là, le prophète n'a plus parlé de religion parce que trop tard, il avait déjà tout complété. Non. Mais quand on dit que la, que la religion, elle nous est parvenue de façon complète, ça ne veut pas dire que le prophète nous a donné une réponse précise à tous les cas figures qui peuvent arriver dans notre vie. Tu comprends Le prophète a donné des règles. Et il y a des versets qui sont clairs sur certains sujets et des hadiths qui sont clairs sur certains sujets. Et parfois, du vivant du prophète alayhi wa sallam, quand il arrivait aux compagnons quelque chose qu'ils n'avaient pas entendu du prophète et qu'ils n'avaient pas entendu dans le haine alors qu'est-ce qu'ils faisaient Ils allaient voir le prophète, ils lui posaient la question. Et là, le prophète y répondait. Il donnait la réponse religieuse, le jugement de telle ou telle chose. Mais après la mort du prophète, alayhi wasallam, il n'y a plus de révélation. Donc si, malgré tout ce qui nous est parvenu dans le Quran, et tout ce qui nous est parvenu dans la sunna du prophète et dans les hadiths, on ne trouve pas une réponse sur un sujet précis, un cas de figure qui n'a pas eu lieu à l'époque du prophète, comment on fait On en revient aux savants. Qui ont atteint un degré tellement fort dans la science, on les appelle les savants mujtahid, qu'ils sont capables de déduire, de faire l'effort de recherche et de compréhension, et de déduire à partir du Coran et à partir du Hadith des lois et des jugements sur des sujets qui n'ont pas été explicitement cités dans le Coran et le Hadith. Ils font des analogies en disant ah mais ça c'est proche. De telles choses pour laquelle le prophète a dit telle et telle chose. Mais ça, n'est pas nous qui sommes capables de faire ça. Il y a besoin d'avoir certaines compétences pour être capable de faire cet effort de recherche, de faire ces fatwas, de donner ces avis de jurisprudence en faisant des déductions à partir des versets du Coran et des hadiths pour dire, alors là, le prophète, il a interdit ça, par contre, ici, le prophète, il a autorisé ça, et maintenant, pour toi, ce que tu me demandes, alors ça ressemble à ça d'un côté, mais de l'autre côté, ça ressemble à ça, est-ce que c'est permis ou est-ce que c'est interdit Et là, il va dire, oui, mais là, ça ressemble plus fortement à telle chose, et donc, je vais le rentrer dans cette catégorie de jugement, et donc, je vais dire que c'est haram, ou bien je veux dire que c'est permis, etc. Ces savants, ils ont répondu, et ils ont fait des fatwas dans de nombreux sujets. Qui ne font pas l'objet de textes explicites dans le Qur'an et la Sunna, Et ces nombreux sujets ont été réunis de ce on a, dans ce qu'on appelle l'école de fiqh de tel savant. Tu comprends L'école de jurisprudence d'un savant, c'est l'ensemble des fatwas qui sont réunis, qui ont été enseignés par ce savant-là à partir de son effort de déduction. Mais un savant, il va comprendre le hadith et, et le Qur'an, peut-être sur certains points. Différemment qu'un autre savant. Et ça va provoquer des, des divergences. D'accord L'imam al-Shafi'i, il s'est basé sur certains arguments et il a considéré, suite à ces arguments, que quand tu fais la prière, tu es obligé de réciter Bismillahirrahmanirrahim dans la Fatiha. Et lui, il considère que c'est obligé, ça veut dire que la prière n'est même pas valable si tu ne récites pas Bismillahirrahmanirrahim. Parce que pour lui, ça fait partie de la prière, ça fait, ça, ça fait partie de la fatiha. L'imam Malik, il considère que Bismillahirrahmanirrahim, ça ne fait pas partie de la fatiha. Et lui, il s'est basé sur un hadith qu'il a considéré comme étant fiable, dans lequel il a compris que le prophète ne récitait pas Bismillahirrahmanirrahim dans la fatiha, dans la prière mais ce hadith là l'imam al-Shafi'i ne le considère pas fiable parce que dans la chaîne de transmission, il va y avoir une personne par exemple que l'imam Malik va considérer fiable et que l'imam الشافعي ne va pas considérer fiable et ça ça va provoquer des divergences et nous en tant que gens du commun musulmans du commun, on n'est pas chargé de faire ces fatwas ou de déterminer qui a raison qui a tort nous, on est des suiveurs. On est des mouqallidoun, On n'est pas des mujtahidoun Et donc, soit on va suivre cette école, soit on va suivre cette école. Nous, juste, on suit. Mais les avis sont bons. deux avis sont bons. En réalité, il y a forcément un qui s'est trompé et un qui a raison. Mais il est bon pour nous de suivre n'importe lequel de ces avis et on ne sera pas égaré en suivant telle école ou telle école ou telle école. Donc, c'est bon dans le sens où on peut les suivre, même si au final. Euh, S'il y en a un qui dit le contraire de l'autre, il y en a un des deux qui, qui s'est trompé. Mais eux, ils ont le devoir de faire cet effort de recherche parce qu'ils ont atteint ce niveau en science. Et eux, ils sont récompensés pour avoir fait cette fatwa. Parce que ce n'est pas une fatwa sans science. Et celui qui a eu raison, il a deux il a deux récompenses, et c'est le prophète qui l'a dit. Et celui qui s'est trompé, il a une récompense. Alors que nous, si on fait une fatwa sans science, on tombe dans un grand péché. Même si... Par coïncidence, ce qu'on a dit est correct. Si on fait une fatwa sans science, on tombe dans un grand péché. Ce n'est pas à nous de faire les fatwas. Ils n'ont jamais décidé de se réunir pour faire le, le pont Il y a des sujets qui font l'objet de l'unanimité et du consensus des savants. Et dans ce cas-là, il n'est pas permis du tout de les contredire, ces sujets-là. Et il y a des sujets pour lesquels... Lui, il a eu son avis parce qu'il a compris comme ça. Et lui, il a eu son avis parce qu'il a compris comme ça. Et même s'il y a débat entre eux, bon, ils n'ont pas forcément tous vécu à la même époque. Bien que l'imam al-Shafii était l'élève de l'imam Malik. L'imam Ahmed ibn Hanbal était l'élève de l'imam al-Shafii, Mais ils ont divergé sur des points. Quand l'imam al-Shafii est devenu Mujtahid, il a eu des avis qui sont différents de, celui, de ceux de l'imam Malik. Et il y a d'autres savants Mujtahid qui n'étaient pas à la même époque. Et quand bien même s'ils avaient été à la même époque, il est possible qu'ils divergent. Même en se réunissant et en en discutant, chacun reste sur son avis. Et ça, c'est arrivé à l'époque des compagnons. Quand le prophète alayhi wasallam, est décédé, alayhi wasallam, les compagnons se sont retrouvés face à une question dans le sujet de l'héritage. Qui n'avait pas été abordé explicitement par le prophète. Le prophète, il leur a donné des règles, d'ailleurs, elles sont écrites dans le Qur'an, dans le surat Al-Nisa, les règles de l'héritage, mais la question à laquelle il faisait face, le prophète n'en avait pas parlé. Et ce n'est pas écrit dans le Qur'an explicitement. À la base, le père, il est prioritaire sur le frère. Si quelqu'un décède, qui prend l'héritage Son papa, ses frères, etc. etc. Entre son papa et ses frères, celui qui est prioritaire, c'est le papa. D'accord? S'il si a encore, il est mort, mais sont encore vivants son père et son grand-père, celui qui est prioritaire pour prendre son héritage, c'est son père direct. Ce n'est pas son grand-père, c'est son père. Maintenant, s'il si n'a pas de père, son père il est déjà mort. Quand lui, il meurt, son père, il était mort avant lui. Par contre, son grand-père est vivant et il a des frères. Qui est prioritaire Le grand-père, il est prioritaire sur les frères Ou bien ils sont à égalité Il y a des compagnons du prophète qui ont dit, le grand-père, c'est ton ascendant. Il a le même jugement que ton père. N'est-ce pas que tu lui dois le respect et que tu subviens bien ses besoins s'il si est pauvre, tout comme ton, si c'était ton père Parce que c'est ton père en réalité. À travers ton père, c'est aussi ton père, c'est ton aïeul, c'est ton ancêtre. Donc, ils ont dit, il est prioritaire sur les frères. Et il y a d'autres compagnons du prophète, sallallahu alayhi wa sallam, qui ont dit non, mais là, c'est pas exactement pareil. Parce qu'il y a une étape avant d'arriver au grand-père, c'est le père. Donc, entre la personne et son grand-père, il y a un intermédiaire. Il passe par son père pour arriver à son grand-père. Si on veut tracer des lignes, il y a lui. Pour arri il arrive à son papa, puis il arrive à son grand-père. Et c'est quoi son lien avec ses frères C'est le même nombre d'étapes. Il passe par son père pour arriver à ses frères. Son lien avec ses frères, c'est à travers son père. Ce lien avec le grand-père, c'est à travers le père. Donc à chaque fois, il y a un intermédiaire, à chaque fois, dans le lien qui le lie à son grand-père ou à ses frères. Donc ils ont dit égalité. Il y a partage d'héritage entre le grand-père et les frères. Alors que les autres compagnons ont dit il n'y a pas de partage. Le grand-père y prend et les frères y prennent rien du tout. Parce que le grand frère et le grand-père est prioritaire. Et cette divergence, elle a eu lieu entre les compagnons, entre Abou Bakr et Ali. Mais ils ne se sont pas insultés pour cela. Ils n'ont pas dit Oh, toi, t'es ignorant. Non, c'est toi qui es ignorant. Non Chacun a fait cette Ijtihad et chacun a suivi la vie qui lui a été éclairée. La vie qu'il a compris à partir du Quran et du Hadith. C'est ce qu'on appelle les divergences. Et c'est une rahma pour la communauté. Parce que nous, ça nous facilite. Le fait qu'il y ait des divergences, ça nous facilite à nous. Parce qu'on a le droit, dans une certaine mesure, de suivre ces savants-là. De suivre lui ou bien de suivre lui ou bien de suivre lui. Et parfois, ça peut être une facilité pour nous. Euh, la science de l'interprétation des rêves ou c'est un don Ça existe et c'est un don. Ça existe, mais c'est un don. Voilà. C est, c est, la question c'est, est-ce que la science de l'interprétation des rêves, elle s'apprend et elle s'acquiert par l'apprentissage ou bien est-ce que c'est un don qui est donné à la personne C'est un don qui est donné à la personne. Ça fait partie de ce qu'on appelle la science que Dieu y donne. La science qu'Allah Ta'ala, il accorde à la personne sans que ce soit par l'apprentissage. Il, il naît, peut-être ça laisse entendre que c'est comme si depuis qu'il est né, il a ça. Alors que non, c'est après avoir fait preuve de piété et avoir atteint le degré des vertueux, que Allah Ta'ala lui accorde ce genre de science. « Wa wa yu'allimukum Allah » Allah dit dans le Coran, faites preuve de piété, Allah vous fera savoir. Ce, ce qui est visé, c'est cette science particulière qui ne s'acquiert pas par l'apprentissage. وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين وصلى الله وسلم على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين